faudrait apprendre à me prendre comme je suis. Tout n'a pas toujours été facile dans ma vie. Faudrait comprendre que moi, quand j'étais petit, du fond de ma belle Gaspésie, je rêvais déjà d'autres pays. Je suis le dernier né d'une famille d'ouvriers. Mes frères trimaient au champ, mon père dans les chantiers. Ma mère avec mes sœurs tenait la maisonnée. Rien d'autre à faire que rêver. On vivait tous dans la pauvreté. Dans mes rêves d'enfant, je me voyais chanter. Comment aurais-je pu faire pour les réaliser? Dans les années 50, malgré l'adversité, ensemble on a tous décidé d'immigrer dans la grande cité. Enfin, j'aurai la chance et la possibilité de pouvoir apprendre à chanter. Peut-être pourrais-je aussi chanter ce que j'écris. Je pourrais ainsi gagner ma vie. Arrivé, il m'a fallu étudier. Le soir après l'école, je devais répéter. Apprendre la guitare pour mieux m'accompagner. Je n'aimais pas les mathématiques. Moi, je n'avançais qu'à la musique. Me voilà aujourd'hui après 50 années. Toute ma vie durant, j'ai fait ce beau métier. Malgré l'incertitude, je n'ai rien regretté. S'il me fallait recommencer, c'est certain, je recommencerai. Enfin, j'ai eu la chance et la possibilité de pouvoir apprendre à chanter. J'ai pu aussi chanter ce que j'écris. Et ainsi j'ai bien gagné ma vie. Moi je ne pensais qu'à la musique.